Alors, disons, si on veut être extrêmement simple et schématique, en gros, ça a le sens de récitation ou lecture. Mais disons, bien sûr, comme beaucoup d'autres questions, c'est un problème complexe, c'est-à-dire qu'on croit pouvoir voir dans la racine trilitaire qara'a, qui est donné où on retrouve dans le mot Coran, le sens de lecture. Mais en fait, donc, depuis plus d'un siècle, il y a eu beaucoup d'études sur la question. Et maintenant, l'hypothèse la plus plausible, c'est que le mot Qur'an vient en fait du mot syriaque, araméen syriaque, kiryana, et qui veut dire lectionnaire. Lectionnaire, c'est-à-dire ce sont des recueils de prières destinés à être récités dans les cérémonies liturgiques. Donc le mot Qur'an vient probablement, qui n'est pas d'origine arabe, vient de Kiryana syriaque. Le Coran est composé de 114 chapitres qu'on appelle en arabe sourate. Et chaque sourate, chaque chapitre est composé d'un nombre plus ou moins grand de versets, en arabe ayah. Alors, dans le prolongement de ce que j'ai dit au sujet de l'héritage syriaque, ou l'héritage, on pourrait dire, juif chrétien ou judéo-chrétien, l'héritage biblique, il faut savoir aussi que c'est des mots aussi importants que sourate, c'est-à-dire chapitre du Coran, ou ayah, c'est-à-dire verset du Coran, ne sont pas ou ne seraient pas d'origine arabe non plus. C'est également le cas d'autres mots importants, comme, je ne sais pas, le mot hajj, ça veut dire pèlerinage, omra, le petit pèlerinage, le mot salat, qui s'écrit d'ailleurs salot, n'est-ce pas, c'est-à-dire prière canonique journalière, le mot zakot, qui s'écrit zakot, c'est-à-dire l'aumône. Tous ces mots qui sont absolument fondamentaux dans les croyances et les pratiques musulmanes sont d'origine soit syriaque araméenne, soit d'origine hébreu. Donc ça montre également l'héritage, ce que j'appellerais l'héritage biblique du Coran. Alors pour revenir à la question de la composition, donc ça a posé aussi énormément de questions parce que le Coran actuellement est ordonné selon la longueur des sourates. Grosso modo, les sourates les plus longues sont au début, et puis plus on se rapproche de la fin du Coran, plus les sourates, les chapitres deviennent plus courtes. Donc on s'est demandé quelle est la logique de cet ordonnancement, et effectivement on n'en trouve pas. C'est parce qu'on n'a pas d'autres exemples dans la tradition textuelle à laquelle se rattache le Coran. Et d'autre part, il y a également le fait que dans le Coran, peut-être à part les sourates courtes, les 30 dernières sourates sur les 114, il n'y a pas véritablement de logique narrative. C'est-à-dire le Coran est extrêmement déstructuré, fragmentaire, et il n'y a pas de logique narrative, c'est-à-dire très souvent, donc vous passez assez rapidement d'un sujet à l'autre, vous avez bon, une partie importante du Coran, ce sont les histoires des prophètes, d'ailleurs des prophètes bibliques, et puis des prophètes, quelques prophètes arabes, non bibliques. Mais très souvent, vous avez dans ces histoires de prophètes, vous avez le début de l'histoire à la fin du Coran, le milieu au début. Donc on a l'impression que les histoires ont été coupées en morceaux, et puis les morceaux dispersés dans différents endroits du Coran. Et donc là, si vous voulez, c'est une sorte d'anomalie par rapport à la tradition textuelle à laquelle appartient le Coran. Et le Coran revendique lui-même, hein, le Coran se dit à plusieurs reprises être une sorte de prolongement du message de Moïse, c'est-à-dire la Torah, et du message de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Mais simplement, bon, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous avez une trame narrative, hein, vous avez des histoires qui ont un début, qui ont un milieu, qui ont une fin. Ce n'est pas le cas dans le Coran. Et ça a posé problème aux musulmans d'abord et ensuite aux orientalistes. Et donc, ça fait partie aussi du caractère problématique du Coran sur lequel on reviendra. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui pose question, c'est que il y a un certain nombre de caractéristiques problématiques dans le Coran.
que les musulmans ont repéré eux-mêmes. Bon, eux, ils ne parlent pas du caractère problématique, bien sûr, mais nous avons un certain nombre de données objectives qui montrent que ce texte posait problème. Par exemple, sur la question de la composition, justement, c'était un des cas où les théologiens des autres religions, donc des terres conquises par les Arabes, les Juifs, les chrétiens, les manichéens, reprochaient par exemple au Coran son caractère illogique. Justement, ce caractère un peu déstructuré, fragmentaire. Et les musulmans ont voulu répondre à ces polémiques et ils ont mis sur pied tout un genre littéraire qu'on appelle justement la composition du Coran, Nazm al-Qur'an en arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les différentes sources de ce genre littéraire, les réponses apportées par les différents auteurs sont différentes. C'est-à-dire, donc, la conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les savants musulmans ne savaient pas eux-mêmes pourquoi le Coran est composé de cette manière-là. Nous avons le même genre de problème pour la chronologie du Coran. Alors, l'ordre chronologique de la descente, comme disent les musulmans, de la révélation, alors les musulmans savent eux-mêmes que le Coran que nous avons n'a pas respecté l'ordre chronologique. Comme je vous ai dit, bon, on a ordonné les chapitres selon, disons, leur longueur. Mais bon, les musulmans ont divisé les différents chapitres selon soit, disons, leur provenance géographique, c'est-à-dire soit la Mecque, où le prophète aurait passé la première partie de sa vie, soit Médine, c'est-à-dire sa ville d'accueil, en quelque sorte, après son émigration. Donc nous avons des chapitres mécois et des chapitres médinois, mais à l'intérieur des chapitres mécois, vous avez des versets médinois, et à l'intérieur des chapitres médinois, vous avez des chapitres, des versets mécois. Donc ce qui veut dire que donc, tout est mélangé, et puis nous avons trois listes que les experts musulmans du Coran ont essayé d'établir sur l'ordre chronologique des sourates, au 10e, je parle en ère chrétienne, au 10e, au 15e, au 16e siècle, et vous avez des listes différentes. Donc là encore, conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les musulmans eux-mêmes ne connaissaient plus très tôt l'ordre chronologique des versets et des sourates. Encore une question importante, ce qu'on appelle la circonstance de la révélation, c'est-à-dire, en gros, dans quelle situation historique a été révélé tel ou tel verset ou tel ou tel ensemble de versets, etc. Là aussi, autre genre littéraire, qu'en arabe on appelle asbab al-nuzul, les circonstances de la révélation. Donc là aussi, à l'intérieur de ce genre littéraire, vous avez des ouvrages, et dans les ouvrages, vous avez des circonstances différentes pour un même verset. Là encore, c'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes avaient perdu les vraies circonstances de la révélation de tel ou tel verset. Ce qui fait que, si vous voulez, nous avons affaire à un texte extrêmement problématique, bien sûr qui est considéré par les musulmans comme un texte sacré et révélé par Dieu, mais pour l'historien et pour le philologue, c'est un texte qui reste énigmatique.